et en mon nom personnel vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel communal de Cocody à l'occasion de cette cérémonie de commémoration de la victoire historique des éléphants de la Côte d'Ivoire lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations organisée par notre pays ici en Côte d'Ivoire qui a abrité la meilleure CAN jamais vue en Afrique. Je vous demande de passer là. Oui, sa parole est vivante et puissante. Elle atteste toujours que son amour et sa miséricorde pour les hommes ne sont pas négociables. Pour cette circonstance qui nous réunit, c'est certainement le livre de 2 Chroniques 7, verset 14, qui traduit le mieux, et je cite, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, en vérité, Dieu, à travers les différentes péripéties de notre victoire, nous a donné une très grande leçon de vie. Car l'humilité précède toute gloire, ou qu'aucune gloire ne peut s'obtenir sans la croix. Chers frères et sœurs, que nous nous tenions debout pour témoigner notre reconnaissance à Dieu, notre Père, par des acclamations et des cris de joie, car il a visité ce peuple par cette grande victoire qu'il lui a donnée. Cocodienne, ovationnez ces gens de la FIFA, ovationnez nos éléphants, ovationnez cette coupe qui est chez nous. C'est la première fois que moi je vois une coupe comme ça, physiquement. Parce qu'on voit tout le temps la télévision. Et vraiment, cette CAN, nous on a vécu. Parce que moi, il y a longtemps, je ne croyais plus au football. Mais cette année-là, j'ai vécu ça. Voilà, vraiment, je suis très heureuse, je suis contente de votre arrivée ici, dans ma commune, dans notre commune. Vraiment, on vous dit merci. C'est un bonheur pour nous. C'est vrai, on a l'habitude de voir à la télé et ça, la coupe arrive jusqu'à la maison, chez nous, à la mairie de Cocody. Vraiment super, super. On est vraiment content. Merci à la Fédération ivoirienne de football et à Monsieur le maire de la commune de Cocody. Pour nous, les agents de la mairie, ainsi que la population de Cocody.